Donc ce matin, nous allons continuer par la grâce de Dieu, qui est vraiment béni dans la présence du Seigneur. Et je suis heureux de te voir. La direction divine dans chaque étape de la vie. Nous sommes dans le mois de la direction divine. Le Seigneur nous a donné un mois, il a jugé que ce n'était pas suffisant. Il a ajouté un deuxième mois. Et même si on nous donnait un troisième mois, chaque jour nous avons besoin de la direction divine. Ce n'est pas une question de mois, ce n'est pas une question de jour, c'est une question d'éternité. De toute l'éternité, nous avons besoin de la direction divine. C'est pourquoi ce matin nous allons voir la direction divine dans chaque étape de la vie. La vie sur terre a des étapes. J'ose dire, en m'appuyant sur la parole de Dieu, que la direction divine ne commence pas quand tu as grandi. La direction divine est tracée depuis même le sein de ta mère. Parce que le roi David nous dit dans le psaume 139 que quand j'étais une masse informe, une masse sans forme, non seulement le Seigneur nous connaissait, et dans son cahier tout était écrit, pour dire tout était tracé, avant même que je ne prenne forme, avant même que tu ne prennes forme. C'est pourquoi l'ennemi aussi cherchera à te détruire, pour ne même pas te laisser prendre forme. La direction divine ne commence même pas le jour de ta naissance. C'est même avant la sortie des entrailles maternelles. Et nous devrons prendre cela au sérieux. Et chacun, à chaque aspect, à chaque étape de la vie, doit chercher quoi? La direction que Dieu a déjà tracée. Ce n'est pas quand j'ai grandi ou quand j'ai connu Christ que Dieu avait déjà tracé le chemin pour moi. Il dit que même l'agneau là, celui qui est venu nous sauver là, il a existé depuis l'éternité. On dit que l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. Donc la direction divine ne commence pas maintenant, mais elle appartient à toi et à moi qui s'engage déterminé pour chercher cette direction. La direction divine dans chaque étape de la vie, vous allez voir que dans la parole de Dieu, on commence à parler de toi depuis le sein de ta mère. On va parler aussi de ta naissance. Même les bébés ont leur trajectoire dans le plan de Dieu. Même les bébés là ont leur trajectoire. Il y a une direction pour les bébés. Beaucoup de bébés ont péri parce qu'on n'a pas su les conduire dans leur direction. Imaginez si Jésus était resté à Jérusalem au moment où Hérode avait ordonné de tuer les enfants de 0 à 2 ans. Qu'est-ce qui allait se passer? Ah. Rapidement, Dieu a donné une direction à ce bébé qui venait de naître. Et si les parents n'étaient pas attentifs, le plan du salut de notre Dieu serait retardé. Le plan de Dieu est retardé dans beaucoup de vies parce que nous n'avons pas su prendre la direction que Dieu nous a donnée au temps T. Alléluia. Mais ce matin, le Saint-Esprit va nous aider. Quel que soit le retard dans le plan de Dieu, nous avons un Dieu qui rattrape tout.
Alléluia. Nous avons un Dieu qui te permet de retrouver le chemin. Et quand tu retrouves le bon chemin, tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Dans la vie, tu n'es pas la seule personne, ni la dernière personne à te perdre ou bien à perdre quelque chose. Quel que soit ce que tu as perdu, et même si tu es perdu dans ta marche, il y a un Dieu qui trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 3, à partir du verset 7, je crois. Genèse 3, à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger ?» Et l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alléluia. Amen. Que le Seigneur continue de bénir sa parole. Amen. Amen. Voici la direction qui a été donnée au premier homme et à la première femme. Je crois que le Saint-Esprit a une parole pour moi ici ce matin. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils connurent. Leurs yeux se sont ouverts. Et nous connaissons la suite. L'Éternel revient. Sa voix parcourait le jardin. Il n'a pas trouvé l'homme dans la direction qu'il lui a donnée. C'est la raison pour laquelle il a dit, où es-tu? Demande à ton voisin, où es-tu? Dans quelle direction tu te trouves ce matin? Pourquoi une telle question? Dans le jardin, Dieu avait donné des orientations à l'homme et de façon claire. La parole de Dieu nous révèle que Dieu avait placé l'homme dans le jardin qu'il a lui-même formé. Et il a pris le soin de sélectionner tout ce qui était de meilleur. Et il a dit à l'homme, dans le jardin là, ce qui m'a étonné, la description dit que les arbres du jardin avaient des fruits agréables et bons à manger. Tous les arbres, leurs fruits étaient agréables et bons à manger. Maintenant, il y avait l'arbre de la vie. Et la Bible précise au milieu du jardin. Pourquoi au milieu du jardin? L'arbre de vie était le centre, la centrale de toutes les choses du jardin. De l'arbre de vie là. Était au milieu. Donc Dieu avait précisé la direction de l'arbre de vie. Mais Dieu n'avait même pas précisé la direction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je veux que nous comprenions quelque chose. Quand Dieu te donne une direction, quand Dieu me donne une direction, l'ennemi de ma vie,
l'ennemi de ta vie, l'ennemi de toute vie, l'ennemi de toute la créature fera tout. Il va tout essayer pour te dévier, pour t'écarter, pour te faire perdre le chemin qui t'a été donné. Est-ce que tu es là ce matin? Il fera tout. Maintenant, si toi tu ne sais pas, il ne fera pas attention. Et effectivement, c'est le problème. Beaucoup ne font pas attention du chemin sur lequel ils empruntent, ou bien de qui les oriente, de quelle direction ils ont pris. Il fera tout. Comment c'est? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la femme, au lieu d'aller vers l'arbre de la vie, qui est au milieu, c'est bien précis, au milieu, et chacun connaît le milieu. Pourquoi elle n'est pas allée vers l'arbre de la vie? L'ennemi a tout fait pour la séduire, pour la pousser doucement, pour l'entraîner doucement, 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 avec des flatteries, avec tellement de choses, jusqu'à aller devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et arriver là-bas, on dit que Ève, du moins, a vu que le fruit était comment? Agréable d'abord et bon. Qui lui a dit ça? Pourtant les autres aussi étaient agréables et bons. L'ennemi va accentuer ses regards sur sa perdition. L'ennemi va accentuer ses regards sur la fausseté, sur la mort. Et quand ils ont mangé, la Bible dit, leurs yeux se sont... Dites-moi, est-ce qu'ils étaient aveugles? Maintenant, quels sont ces yeux qui ont été ouverts? Dites-moi, quels sont ces yeux qui viennent de s'ouvrir? Quels sont les yeux qui viennent de s'ouvrir? Quand leurs yeux se sont ouverts, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Avant, ils étaient habillés de quoi? Ils avaient des tissus en basin. Ils étaient habillés en lessis, en costume. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que brusquement ils se voient nus? Qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux de gloire sont partis. Maintenant, c'est les yeux du mal. On dit l'arbre de la connaissance du bien et du... Donc, leurs yeux ont commencé à voir quoi? Le mal. Est-ce que la nudité, c'est du bien? La nudité, c'est du bien? C'est du mal. Et malheureusement, beaucoup d'yeux sont ouverts pour voir le mal. Ils reconnurent qu'ils étaient nus. Quand nous nous dévions de la direction divine, nous ne voyons plus les choses comme Dieu. Tu es là ce matin. Quand je quitte la direction de Dieu, là, je ne vois plus les choses comme Dieu. Je vais changer de vision, de manière de voir. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Et ils l'ont affirmé en appuyant qu'ils avaient eu peur. Est-ce que la peur, c'est du bien? Non, la peur n'est pas du bien. Aujourd'hui, comment tu te vois? Est-ce que
que c'est l'éternel Dieu qui a dit qu'ils sont nus, malgré le péché, est-ce que c'est Dieu qui a dit? C'est pourquoi Dieu les a demandés. Qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a dit? Comment tu te regardes ce matin? Beaucoup à cause du fait qu'ils ne sont pas dans la direction, se voient comment? Pauvres. Ils ne vont pas manquer de dire. Non, il faut que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Là où tu es là, comment tu te vois? Adam et Ève se sont vus comment? Nus. C'est Dieu qui a dit qu'ils sont nus. Dis-moi, à quel moment Dieu t'a réveillé? Ma soeur, j'ai dit que tu es pauvre. Dieu t'a dit ça quand? Dieu t'a dit ça? Dieu t'a appelé avec quel numéro pour te dire que tu es stérile? Dieu est passé par quelle alternative pour te dire que tu es maudit? Maintenant c'est toi-même qui te vois quoi? Pauvre. C'est toi-même qui te vois maudit. C'est toi-même qui te vois dans ce que tu te vois. Et Dieu va te poser la question. Qui t'a dit? Sinon toi-même. Qui t'a dit? Ce que tu dis que tu es là. C'est Dieu qui t'a dit? Demande à ta soeur, à ton frère. Qui t'a dit? Pose bien la question. Qui t'a dit? Est-ce que tu as saisi? On s'est donné des identités et cela va nous amener dans la fuite. Et chacun se cache dans son identité. À cause de cette identité, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés se cacher. Dis à quelqu'un, ne te cache pas. Alléluia. Comment tu te regardes? Est-ce que tu te regardes comme Dieu te regarde? Ou bien tu te regardes selon ce que les gens t'ont dit? Ou bien tu te regardes selon ton péché? C'est ce qu'il nous montre ici. Dieu n'a pas dit qu'ils sont nus. Après avoir mangé le fruit, ils disent que nous sommes nus. Et c'est pour qu'on allait se cacher. Dieu dit, qui vous a dit? Qui t'a dit, homme, que tu es nu? Qui t'a dit que tu es ce que tu es en train de dire que tu es? C'est Dieu qui t'a dit? Alléluia. Si ce n'est pas Dieu, donc ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas valable. Ils se sont donné une nouvelle identité que Dieu ne les a pas donnée. Et ils vont lutter avec ça. Ils vont faire comment? Ils vont lutter. Qui t'a dit? La direction divine n'est pas seulement en termes de chemin, comme nous l'avons dit. Tout ce que Dieu me dit de faire, c'est une direction qu'il me donne. Si je ne fais pas, je ne suis pas dans la direction de Dieu. Tout ce que Dieu me dit de ne pas faire, c'est une direction qu'il me donne. Si je refuse et que je fais, je me dévie de sa direction. Dieu a dit de ne pas manger. Ils ont mangé là. Est-ce qu'ils sont restés dans le jardin? Ils n'ont pas changé de direction. Ils ne sont pas sortis des jardins que Dieu a préparé pour eux. Ils ont changé de direction. Qu'est-ce qui te fait changer de direction?
Qu'est-ce qui t'a fait quitter la direction que Dieu t'a donnée? Beaucoup ne sont pas à leur place. Et ils n'ont pas le courage de le dire. Alléluia. Beaucoup ne sont pas à leur place. Et ils sont culpabilisés. Ils s'accusent mutuellement. Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu a créés, à son image et à sa ressemblance, sont restés dans une culpabilité jusqu'à leur mort. Ils n'osaient même plus lever la tête vers Dieu. J'ai été étonné que la prière vers l'Éternel, ce n'est pas Adam et Ève qui l'ont commencé. Vous savez ça? C'est dans Genèse 4. C'est les Enoch qui ont commencé à crier à Dieu. Ils étaient tellement culpabilisés qu'ils ne pensaient plus que Dieu pouvait encore les réorienter dans la direction originale. Et si Dieu était ainsi, comment Enoch a pu faire pour marcher avec Dieu? Vous voyez ça dans Hébreux, non? Mais dans Genèse. Adam et Ève n'ont pas pu marcher avec Dieu. Des années plus tard, un de leurs descendants a refusé ce qu'ils ont accepté. Même si on a péché là, si c'est Dieu qui a prévu être avec nous, marcher avec nous, si c'est Dieu qui est ma direction, je ne sais pas comment Adam et Ève ont fait, quelle que soit la gravité de leur péché. Moi, je vais crier à ces dieux. Si eux, ils n'ont pas marché, moi, je vais marcher avec Dieu. Adam et Ève n'ont plus marché avec Dieu. Jusqu'à leur mort, comment Enoch va faire après eux, marcher avec Dieu jusqu'à être enlevé par Dieu? Donc le retour dans la direction divine est possible. C'est possible. Quel que soit là où tu te trouves. C'est possible. Maintenant, est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que Enoch a fait? Il a dit vraiment. Il a eu le témoignage de Adam et de Ève. Le commencement des choses. Ce qui est arrivé. Ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a préparé. Ce qui les a amenés à sortir. Si c'est ça là. Je ne ferai pas cadeau à Dieu. Je dois retourner. Et il a essayé. Dis à quelqu'un, essaie de retourner dans la direction que Dieu t'a donnée. Aie le courage. Et Dieu lui-même se livrera avec toi. Alléluia. Dans Exode 3. Après Genèse 3, nous allons dans Exode 3. Au Exode 13 du moins. Exode 13. Exode 13. À partir du verset 17. Exode 13, à partir du verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Le verset 21. Verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alléluia. Continue.
La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Chapitre 14. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Personne ne connaît les raccourcis plus que Dieu. Alléluia. Personne ne connaît les raccourcis plus que Dieu. Mais je vais te dire, Dieu n'est pas un Dieu de raccourcis. Quand il a libéré son peuple, c'est lui-même qui est venu libérer son peuple. La Bible dit, il y avait un chemin proche, un chemin court, mais Dieu n'a pas décidé de conduire son peuple par ce chemin-là. Donc c'est lui qui connaît le chemin. Et je crois que ceux qui étaient en Égypte, le peuple qu'il a délivré de l'Égypte, et même les espions qui sont allés là, savaient le chemin le plus proche. Dans la ville, ce n'est pas tous les chemins courts qui vont te conduire à ta destination. Mais beaucoup cherchent des raccourcis. Dieu dit que le chemin est court. Mais si je vais faire passer le peuple par ce chemin, le peuple va rencontrer quoi? Qu'est-ce que le peuple va rencontrer? Qu'est-ce que veut dire la guerre? Donc c'est des hommes qui vont rencontrer des... Ah. Ils vont les laisser passer. Ils vont s'ériger en bataille. Vous n'allez pas passer par notre pays pour aller là où vous voulez. Et le pays des Philistins, si vous connaissez bien l'histoire des Philistins, les Philistins en leur temps, c'est des gens qui faisaient des razzias. Ils cherchaient à prendre des peuples pour les garder comme des esclaves ou bien pour les vendre comme des esclaves. C'est les Ismaélites. C'est eux qui ont acheté Joseph. Alléluia. C'est eux qui ont fait quoi? Qui ont acheté Joseph. Donc si le peuple passait par là-bas, il y aura une guerre. Et si le peuple n'est pas résistant, ils vont quitter l'esclavage pour aller rentrer dans l'esclavage. Et Dieu n'a pas voulu cela. Dieu dit, au lieu de passer par le chemin court, où vous allez rencontrer les hommes, Dieu connaît les cœurs des hommes. Bien. Il a connu le cœur de Pharaon. Il a connu le cœur des Égyptiens. Il a dit, au lieu de passer par le chemin des hommes, moi-même, je vais vous faire passer par le chemin du désert. Il a dit, faire passer par le chemin du désert. Il sait pourquoi. Dis à quelqu'un, avec Dieu, il y a toujours le chemin du désert. Le désert, c'est quoi? C'est un lieu où tu vas rencontrer tellement de manques. Mais si c'est lui qui te conduit, à chaque étape, il va pourvoir. C'est un lieu où tu vas rencontrer la souffrance, la douleur. Mais à chaque étape, à chaque besoin, s'il dit je te conduis par ce chemin-là, il est capable de prendre soin de moi, de prendre soin de toi par le chemin qu'il a tracé. Et Dieu savait. Et ce qui m'a vraiment choqué, j'ai compris
qu'il était facile à Dieu de dire à la mer rouge de s'ouvrir, son peuple va passer, que de dire aux hommes de laisser passer son peuple. Quand Dieu a dit à la mer rouge de s'ouvrir, la mer rouge a résonné. La mer rouge a dit attends demain. La mer rouge a calculé. Qu'est-ce que la mer rouge a fait? Il a obéi. Est-ce que Pharaon a obéi à Dieu comme la mer rouge? Le problème de l'homme, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan, c'est l'homme lui-même. Ton problème, là, c'est toi-même. Ah oui. Et si on peut résoudre ce problème, les choses vont aller. Même dans le désert, ils ont rencontré le rocher le plus dur. Le rocher n'avait pas d'eau. Mais Dieu a dit de parler haut, de frapper le. Quand Moïse a frappé le rocher, le rocher n'a pas donné d'eau. Imaginez que le peuple passait dans le pays des Philistins. Ils ont des robinets. Ils vont ouvrir pour leur donner l'eau. Ils vont leur permettre de puiser l'eau de leur puits. Non. Ton blocage là, c'est les hommes. Et Dieu n'a pas voulu que son peuple passe par le chemin des hommes. Aujourd'hui, beaucoup sont bloqués dans leur vie parce qu'ils veulent passer par des hommes. Les raccourcis là, c'est les hommes. Certains regardent leur oncle qui est soi-disant bien posé, ne sachant pas que leur oncle est leur propre blocage. Tant que tu ne vas pas détourner tes yeux de ton oncle, quand tu regardes leur frère très riche, ne sachant pas que ce même frère est leur blocage. S'il partageait sa richesse, là, il n'allait pas être riche. Alléluia. Et toi, tout le temps, tu as l'espoir qu'il va te donner ou bien qu'elle va te donner. Tu as l'espoir qu'il va changer ta vie ou qu'elle va changer ta vie. Si elle peut gagner ta vie ajoutée, il va prendre, elle va prendre. Dieu a décidé de faire passer son peuple par le chemin du désert. Dans le désert, il n'y avait pas à manger. Il n'a pas amené la manne du ciel. Ou bien, la manne du ciel, pendant tout leur passage. C'est ça la direction divine. La direction divine n'est pas sans obstacle. Mais beaucoup ne veulent pas affronter les obstacles. Ils veulent que d'autres affrontent pour eux. Ceux qui sont riches aujourd'hui, là, ils ont affronté des obstacles que toi, tu ne veux pas affronter. Ceux qui sont aisés aujourd'hui, ils ont traversé des déserts que toi, tu ne veux pas traverser. Et si tu ne traverses pas par là où Dieu t'a dit de traverser, ce que Dieu a préparé pour toi, là, tu ne vas pas l'atteindre. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est pas ma faute, c'est pas ta faute. Tu n'es pas le problème de mon progrès. C'est moi-même. Il faut que j'endosse la responsabilité pour me réveiller. Ils ont pris le chemin comme l'Éternel l'a dit. Ce qui est important ici, la parole de Dieu dit, l'Éternel alla devant eux. Quand Dieu me donne une direction, lui-même marche devant moi. C'est pour qu'il a dit, même Jésus a dit, je suis avec eux. L'Éternel alla devant eux. Il alla avec eux. Comment?
De temps en temps, la Bible dit, le jour là, par une colonne de nuée, pour que même le soleil ne les frappe pas. Pourquoi une colonne de nuée? Je ne sais pas à quelle époque de l'année ils ont commencé la traversée. Mais dans le désert, il y a des mois, le soleil est tel que... J'ai dit bien le soleil est... Au Burkina. On a atteint 45 degrés cette année. Souvent même 46 degrés. Cependant, il y a des pays plus désertiques que le Burkina. Il y a des pays même qui ont dépassé 50 degrés. Quelle que soit la température du moment, si le Seigneur trace le chemin pour moi, s'il est avec moi, il va me couvrir par sa colonne de nuée. C'est pourquoi le psaume 121 dit, le soleil ne te frappera pas. Ces réunions ne vont pas te frapper. La chaleur du soleil ne va pas te frapper. Une colonne de nuée. Alléluia. Et une colonne de feu. Pendant la nuit. Et il termine en disant, pour les permettre de marcher jour et nuit. La direction divine, c'est jour et nuit. Jusqu'à la destination finale. Et cette destination finale, ce n'est pas la terre. Jusqu'à ce que tu rentres dans la destinée de gloire. Alléluia. Est-ce que tu saisis la parole de Dieu? Voici ce que le Seigneur a fait. Et effectivement, ils vont commencer la marche. Ce qui est merveilleux, la colonne de nuée était visible, la colonne de feu aussi était visible pendant la nuit, pour éclairer. Nous allons au chapitre 14. Exode 14, à partir du verset 1. Alléluia. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, avant de faire toute chose, l'Éternel parle. Donc sa parole est la première direction. Il va parler. Mais souvent, devant les défis, nous oublions ce que l'Éternel a dit. Est-ce qu'on peut avancer? Parle aux enfants d'Israël. Il a bien dit de parler à qui? Ce n'est pas aux Égyptiens ici. Ce n'est pas à Pharaon. Parle aux enfants d'Israël que j'ai délivrés. Qu'ils se détournent. Qu'ils se détournent. Ah, qu'ils se détournent. Et qu'ils campent devant Pi Hahiroth. Le mot détourné, nous l'avons vu il y a quelques semaines. Pour suivre toujours la direction divine, il faut que je me détourne. Si je ne me détourne pas, Moïse est détourné pour regarder et avoir la direction divine. Alléluia. Sa vie a changé. Voici le peuple. Dieu dit encore, détournez-vous pour camper. Ça veut dire quoi? Le peuple était sorti de l'Égypte. Mais il continuait de faire quoi? Il continuait de penser à l'Égypte. Il ne s'était pas totalement détourné. Il y avait toujours des doutes. Il y avait toujours la peur. En réalité, où il est en train de nous amener? Pourquoi ne pas passer par le pays et par le chemin le plus court? Il y avait tellement de raisonnements. Il y avait tellement de questions.
L'Éternel dit à Moïse, dis au peuple, détournez-vous de toutes ces choses. Détourne-toi de la peur si tu veux marcher dans la direction divine. Détourne-toi des murmures. Détourne-toi des plaintes si tu veux suivre la direction divine. Détourne-toi des critiques. Si tu vas écouter les critiques des autres, tu vas retourner sur leur chemin. Tu vas retourner sur leur chemin. Et beaucoup retournent sans se détourner. Il n'a pas dit de retourner. Il a dit de faire quoi? Si tu ne te détournes pas, tu vas te retourner. Tu vas te retourner dans le monde. Dans les anciennes choses, là où tu es venu. Et effectivement, nous allons voir ceux qui vont vraiment se détourner et ceux qui ne vont pas se détourner. Si je ne me détourne pas, je ne peux pas arriver à la destination prévue par Dieu. Les choses vont me faire retourner. Et chaque fois, le peuple parle de retourner. Dans la bouche du peuple, il y avait le mot quoi? Pourquoi ne pas retourner en Égypte? Cependant, dans la bouche de Dieu, il faut détourne-toi de l'Égypte. Beaucoup n'arrivent pas à se détourner du monde. Beaucoup n'arrivent pas à se détourner des traditions de leur famille. C'est pourquoi la marche est difficile. La marche est difficile. Ça te concerne, ça me concerne. Pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ton canan? Il y a le mot détourné. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur. Détournez-vous pour camper. Si moi j'étais celui qui a écrit là, j'allais ajouter détournez-vous de l'Égypte. J'allais ajouter le mot Égypte. Et aujourd'hui, moi, j'ajoute, détourne-toi du monde. Détourne-toi de tes réalités. Et prends le chemin que Dieu a donné. Alléluia. On peut continuer. Donnez-moi encore quelques minutes. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Sephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Versets 3 et 4. Pharaon dira des enfants d'Israël. Écoutez bien, c'est Dieu qui a dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël. Dieu connaissait déjà l'intention de Pharaon après leur sortie. Dieu savait déjà comment Pharaon allait décider. Il dit, Pharaon dira. Dieu sait ce que tes ennemis sont en train de te dire. Il sait. Il l'entend. Et il les connaît même. Dans leur réunion secrète, ce qu'ils sont en train de dire contre toi, Dieu connaît. Et Dieu vient te dire ce que ton ennemi est en train de se dire. Ce qu'il est en train d'entreprendre. Dieu m'avertit. Dieu t'avertit. Est-ce qu'on va écouter les avertissements de Dieu? Pharaon dira. Parle aux enfants d'Israël. Dis-leur que Pharaon, là, voici ce qu'il est en train de se dire dans son cœur. Qu'est-ce qu'il dira? Ils sont égarés dans le pays. Ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Dans le cœur de Pharaon, qu'est-ce qu'il veut? Pharaon priait pour que le peuple s'égare. C'est pourquoi j'ai dit, quand Dieu te donne sa direction, tes ennemis feront tout. Ils mettront tout en œuvre. Pharaon va le faire. Même s'il faut engager toute son armée, même s'il faut engager tous ses chars, son désir, c'est que tu te perds. Ils vont s'égarer.
Donc l'ennemi travaille pour que tu t'égares. Tu es venu faire sortir son peuple. Lui, il dit, il se dit, ils vont s'égarer dans le désert. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? J'endurcirai le cœur de Pharaon. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et il les poursuivra. Il les poursuivra. Donc Dieu t'avertit que l'ennemi, des mains duquel il t'a délivré là, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il les poursuivra. Il va te poursuivre. C'est comme dans Colossiens 1, dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. On nous a délivrés. Mais on n'a pas dit qu'on a fait disparaître la puissance des. On nous a délivrés de la main de Pharaon. Mais Pharaon est toujours quoi? En Égypte. Pharaon est toujours réel. Quand Dieu te délivre de la main de la puissance des ténèbres, les ténèbres aussi vont s'asseoir, ils vont dire, il faut qu'on fasse tout. Les fétiches desquels on t'a délivré là, ils vont continuer à dire, il faut qu'on fasse tout pour qu'ils s'égarent, pour qu'ils se perdent. En ce moment-là, si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie de communion, effectivement, tu vas faire quoi? Tu vas t'égarer. Parce que l'ennemi va toujours te poursuivre. Mais la bonne nouvelle, c'est Dieu qui a dit, je vais endurcir le cœur de... Sur le chemin de la direction divine, tout ennemi qui te poursuit, c'est des cœurs endurcis. C'est des cœurs. Et ils vont payer pour l'endurcissement de leur cœur. Ton amen ne me convainc pas. Sur le chemin de la direction divine, de la destinée tracée par Dieu, Dieu ne t'a jamais dit que l'ennemi ne va pas te poursuivre. Il vient même t'avertir. Le problème est que beaucoup sont inconscients de cela. Tu n'as pas besoin de la prophétie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te prophétise, que les sorciers te poursuivent. Tu n'as pas besoin de la prophétie de quelqu'un pour savoir que Satan rôde autour de toi, autour de ta maison. Dieu a déjà prophétisé. La prophétie de Dieu n'est pas suffisante. C'est pas suffisant. Même si ce n'est pas suffisant, Pharaon va te poursuivre. Mais est-ce que le problème réside dans la poursuite de Pharaon? Celui qui a dit que Pharaon va poursuivre là, est-ce qu'il s'est arrêté là? C'est la suite qui m'intéresse. Alléluia, la suite. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et il les poursuivra. Ils vont vous poursuivre. Mais Pharaon et toute son armée. Que quelqu'un dit Pharaon et toute son armée. Pour dire quoi? Tous les poursuivants endurcis et toute leur armée. Qu'est-ce qui va se passer? Serviront à faire éclater. Alléluia. Vous les avez servis. Vous les avez servis comme des esclaves. Maintenant. Alléluia. Oh! Hey! Hey! Maintenant. Service pour service. Vous avez servi, non pas payé. Maintenant. Ici. L'Éternel des armées dit, Pharaon et toute son armée, qui vous a gardé en captivité, en esclavage pendant 430 ans,
Maintenant, voici leur service. Ils vont servir à faire éclater ma gloire dans ta vie. Ils verront la gloire que Dieu. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne dort jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront. Ils verront. Ils verront. Ils verront. La gloire de Dieu. Oh, il verra et il sera étonné. Mon Dieu ne dort jamais. Il veille sur ma vie. Il verra et il sera étonné. Oh, serviront à faire éclater ma gloire. Tes ennemis et toute leur armée serviront à faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Tous les poursuivants endurcis serviront à faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, ce n'est plus le peuple d'Israël, c'est nous. Aujourd'hui, ce n'est plus Moïse, c'est moi. Et c'est toi. Dieu n'a pas changé. Si sa parole n'a pas disparu, si sa parole est toujours pour nous, cette parole est pour moi. Et je la saisis par la foi. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Dieu n'a jamais garanti à personne qu'il n'aura pas d'ennemis. Les ennemis peuvent se multiplier. Les armées peuvent se multiplier. Dans la direction divine, mes ennemis servent. Que tes ennemis servent à faire éclater la gloire de Dieu. Que ceux qui te poursuivent, ceux qui poursuivent ta famille, ceux qui veulent t'empêcher, servent à faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, bénis le Seigneur. Ton Dieu ne dort pas. Au nom de Jésus-Christ. Le verset 10 dit, empêcher Pharaon de s'approcher. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Nous vivons ces réalités aujourd'hui. Que tu vois, que tu ne vois pas, l'ennemi sera toujours derrière toi. Ils ont vu. Et qu'est-ce qui va se passer? La frayeur, la peur va leur saisir. Mais l'Éternel va parler. Il dit encore à Moïse, parle aux enfants d'Israël. À chaque fois, ce mot revient. Parle aux enfants d'Israël. Dieu ne cesse de parler à ses enfants. Le problème, les enfants de Dieu ne saisissent pas la voix de Dieu.
Dieu ne cesse de parler. Malgré tout, Dieu parle. Dans toute ta traversée, Dieu va te parler. Maintenant, c'est à moi de faire confiance à la parole de Dieu et regarder à Dieu. Dieu, ils ont levé les yeux, ils ont vu quoi? Que Pharaon s'approchait. Au moment où il levait les yeux pour regarder Pharaon qui venait là, qui était là? Qui était là? Quand il levait les yeux pour voir Pharaon qui venait, les Égyptiens qui les poursuivaient, au même moment, qui était là? Qui était là? Est-ce que la colonne de nuit était là? Est-ce que la colonne de feu était là? Le plus souvent, nous ignorons la présence de Dieu. Mais on est plus conscient de la réalité de l'ennemi qui est en train de venir. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, Exode 14 là, c'est l'image visible des Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour détruire, que pour voler, que pour tuer. Mais moi, je ne viens pas. Je suis venu. Le voleur ne vient. Pharaon est en train de s'approcher. L'Éternel était déjà là. Ou bien, entre Satan et Dieu, qui est permanemment avec toi? Satan t'a dit qu'il sera tous les jours avec toi. Est-ce qu'il peut me mettre tous les jours avec toi? Mais pourquoi toi tu vois lui tous les jours? Et celui qui t'a donné la parole là, qui a dit qu'il est tous les jours avec toi là, quand tu vois la manifestation de l'autre, tu oublies celui qui est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à crier. Dis à quelqu'un, ce n'est pas interdit de crier. Quand tu vois Pharaon là, il faut crier de toutes tes forces. Crie seulement. Et quand ils ont crié, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, ne craignez point. Sur le chemin de la direction divine, ne crains point. Tu verras Pharaon de tes propres yeux. Il y a quelque chose que je n'ai pas souligné. La Bible dit que les enfants d'Israël sont sortis les mains levées. Qu'ils sont sortis d'Égypte les mains levées. C'est là, c'est le temps qui manque. Les mains levées, ça veut dire quoi? Sans armes. Ils sont sortis haut les mains. Face à un ennemi avec des chars, des cavaliers. Si nous ne connaissons pas notre Dieu, nous avons raison d'avoir peur, de trembler. Dis à quelqu'un, ne crains rien. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants de Dieu ce matin. Dis-leur, ne craignez pas les troubles dans le monde. Ne craignez pas les bruits de guerre dans le monde. Ne craignez pas la crise qui frappe le monde. C'est ça notre pharaon aujourd'hui. Notre pharaon est plus géant que le pharaon au temps de Moïse. Regardez tout ce que nous entendons. Regardez toutes ces nouvelles qui nous viennent. Si on ne lève pas les yeux vers Dieu, qui peut nous sauver? Si nous ne crions pas à Dieu, Dieu dit, ne craignez point. Ne craignez pas Pharaon et son armée. Vous êtes en train de les voir pour la dernière. Pour la dernière. Pour la dernière.
le chemin de la direction divine, j'ai fait deux choses. Si je suis sur la direction divine, j'arriverai à bon port. Pharaon n'arrivera pas. Son armée n'arrivera pas. Le tourbillon ne va pas arriver. Jésus a dit, passons à l'autre. Le même pharaon s'est levé derrière. Qui est arrivé? Ce matin, élève ta voix. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa direction qu'il te donne. Le Seigneur est venu t'encourager, il est venu m'encourager. Il connaît les ennemis qui sont derrière toi. Il connaît tous tes poursuivants. Que cela soit dans ta famille, au service, partout il y a des ennemis. Le problème, ce n'est pas l'ennemi. Le problème, c'est ta relation avec ton Dieu. Tu n'es pas la première personne que l'ennemi a poursuivi. L'esprit de Pharaon est toujours sur la terre. Mais Christ demeure éternellement. Est-ce que tu vas le bénir ce matin? Dis Seigneur, je te bénis pour la direction que tu as tracée pour moi. Oh, je change les regards que j'ai de moi-même. Je ne me regarde plus nu. Je ne me regarde plus pauvre. Je ne me regarde plus selon mon péché. Je ne me regarde plus selon ce que les autres disent. Je me regarde selon ce que tu m'as dit. Je tourne mes yeux vers tes yeux. Ce que tu vois de moi, oh, c'est ce que je vois aussi. Je ne suis pas nu. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas misérable. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas célibataire. Je ne suis pas dans le chômage. Tout ce que tu avais dit, annule cela. Maintenant, par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas déclarer que tout ennemi qui te poursuit sur le chemin de la direction divine, sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ton mariage, tout ennemi qui te poursuit dans les affaires, dans tous les domaines, dans chaque étape de ta vie, ne t'atteindront pas, mais sont noyés dans le sang de Jésus-Christ. Périssent comme l'armée de Pharaon, comme Pharaon et son armée. Ne fais cadeau à aucun ennemi. Ne fais cadeau à aucun pharaon. Toute armée satanique, toute armée des méchants, toute armée des ténèbres, toute armée de destruction, oh, qui te poursuit, les esprits de mort, les maris de nuit, il faut déclarer qu'ils sont noyés dans le sang de Jésus-Christ. Esprit de pauvreté, de malédiction, esprit de célibat, ils sont noyés dans le sang. Le sang de Jésus est là plus que la mer rouge. Les ennemis de ta promotion, noyés dans le sang de Jésus. Les ennemis de ton enfantement, noyés dans le sang de Jésus. Les ennemis de ta santé, noyés dans le sang de Jésus. Oh, tout ce que l'ennemi a semé dans ton corps, il faut les noyer dans le sang de Jésus. Que le cancer soit noyé dans le sang de Jésus. Que les fibromes, les kystes soient noyés dans le sang de Jésus. Que les problèmes des os soient noyés, les infirmités. Que les démons soient noyés dans le sang. Que les esprits méchants soient noyés dans le sang. Que l'armée satanique, l'armée des méchants, noyée dans le sang de Jésus. Le
Jésus. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, Rika Baba Pécha. Les ripéris sur la triomphant. Les décommandes. Le nom de Jésus. Oh. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh. Jésus, tu es puissant. Oh. Omnipotent, tu y es présent. La machine des rouleaux. Les carrosses. La puissance du Saint-Esprit agit. La puissance du Saint-Esprit agit. Tu y es présent. Tu y agis au Seigneur. Aucun démon ne peut résister. Aucun ennemi ne peut résister. Tu agis en ce jour. Saint-Esprit agit. Jésus, tu es puissant. Oh, tu agis dans nos vies. Jésus. Tu es puissant. Oh, Marie-Saël, allez, go. Terrière, Saint-Ministre, Bakata. Jésus. Tu es puissant. Omnipotent. Tu es. Que les liens soient brisés. Que les malades soient guéris. Brisez toutes les chaînes. Jésus. Tu es puissant. Commence à rendre grâce au Seigneur. Les malades sont guéris.